Mon déclic, ça a été vraiment que pendant le lycée, je faisais vraiment énormément de crises d'angoisse et j'étais vraiment au plus bas, j'arrivais même plus à sortir de chez moi. Et à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit stop. À la base, je voulais me lancer dans la naturopathie. J'avais fait plein de demandes à Pôle emploi et tout ça, qui bien sûr a toujours refusé. Et je me suis tournée vers le compte CPF. Il y avait plein de formations, plein d'écoles, mais il y a quand même l'école Hippocratus qui m'a tapé dans l'œil. Et quand j'ai lu un peu la formation, ça m'a énormément plu et j'ai sauté sur l'occasion. Les cours, ils sont quand même bien expliqués. Après, il y a certains chapitres où oui, il y a un peu de difficulté. Je sais qu'au début de la phytothérapie, où on apprend toutes les plantes, toute l'anatomie et tout ça, par moments c'était très compliqué, ouais. Mais après, ça passe à une allure parce qu'on est tellement intéressé et passionné qu'on y va à fond. Ce qui m'a vraiment passionnée dans les cours et les chapitres qui m'ont vraiment, que je les ai lus, mais sans faire de pause, le chapitre avec le lien entre le corps et l'émotion. Et il y a aussi l'apithérapie. L'apithérapie, ça a été vraiment quelque chose qui m'a passionnée, de savoir comment vivent les abeilles, leurs colonies et tout ça. C'est quelque chose, mais j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment.